Soigne-toi de t'ouvrir, ou je te promets que j'explose le crâne de ton pilote. Tu te souviens encore de ce que c'est de compter? Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ah. Alors, c'était pas si dur finalement. C'est ça le problème des équipes. Si on gagne pas ensemble, on crève ensemble. Oh, oh. Oh putain. Je me disais, c'est qui tire? Oh merde. Bien tenté. Oh hey, la salle. Roule-toi d'extra large. On a plus le temps. Oh mon dieu. Pété. T'as on a intérêt de revenir. Parce que là... Ok. Je sais pas ce qu'on a dans la main. Attends, c'est le smart gun en fait. Mais avec quoi? À toutes les unités, ouvrez le feu! Capitaine, une œuvre sur ce signal? Je capte un truc, mais c'est faible. Pas moyen de confirmer. Commandant, je capte un signal d'une cellule de mémoire, mais c'est faible. Ah! J'ai localisé Cooper, il a extrait la mémoire de BT, il a sûrement le kit sert. BT, Cooper, situation, Cooper, vous me recevez? On n'a pas le temps. T'as le smart gun, BT, c'est énorme. Cooper, vous me recevez? À vous. Cooper, ici le commandant Sarabri. Si vous me recevez, rejoignez le pont, 1 km au nord de votre position. Putain, 1 km. On a une chance de reprendre l'avantage et c'est tout. Notre flotte se déploie vers le Disorder. On arrive, c'est pas encore fini. Allez dans la bonne direction, continuez d'avancer. Ah bon? Tu m'étonnes qu'on a le smart gun. Il nous reste un dernier Vanguard à déployer. J'éjecte sa mémoire et je le prépare au lancement. Oh la vache. C'était trop. On est un héros, mais on n'est pas immortel non plus. C'est joli ces images là. Faudrait en faire des fonds d'écran en fait.
signal. Attention, largage de Titan. Oh. Yeah. Bonjour, Jack. Pardon ? Nouveau châssis, même Titan ? Vieille carrosserie, même mémoire. BT 7274 pareil. Ouh ! Il est temps d'accomplir notre mission. L'IMC, mais ça m'étonnerait que ça suffise. Vous allez devoir infiltrer la salle de ciblage. Commandant Briggs à tous les postes de combat. Je veux un appui-feu sur Cooper et BT. Couvrez-les coûte que coûte. Bien reçu, j'exécute. Cooper, grimpez sur cette colline. On vous couvre. Ça marche. On a du Légion. Acquisition, menace immédiate, feu. Là, on s'amuse avec Légion. Oh oh. On va avoir bientôt le corps. Oh merde. Le Stockton ne répond plus. Rapport de situation. On est bon. Si le capitaine Landegger du Routledge, le Stockton s'est pris une portée, il va s'écraser. Commandant Briggs, ici Gates, des 6-4. On est à la bourre. C'est pile à l'heure, Gates. On est chargé à bloc. T'en fais pas, Cooper. On est avec toi. Système de visée activé. On est paré à tirer. Empêcher l'IMC d'utiliser le Distorder. Si nous échouerons, la planète milicienne d'Harmonie sera détruite.
On y va alors. Attrape l'infanterie ennemie. Je peux pas prendre d'autres armes. À tout le personnel de l'IMC, ici le général Marder. Les mercenaires ont livré l'arche. Préparez le Distorder. Allumage des systèmes d'alimentation du Distorder. Allumage des transpondeurs. Est-ce que je suis bon là ? Est-ce qu'on doit y aller à pied comme ça ou pas ? Les coordonnées de la planète Harmonie. Initialisation système de visée. Harmonie. Coordonnées 264.588. Ok, là-bas. Putain, mais BT... Non, je crois que j'ai fait une erreur en fait. Je crois qu'il pouvait passer. Transfert des commandes au pilote. Je crois qu'il pouvait passer en fait. Qu'est-ce qu'il est agile? Je voudrais bien que mon légion soit aussi rapide. Pardon, je passe. Vous avez votre fric, Blisk. Partez. Mes hommes s'occupent du reste. Il était vraiment temps que ça bouge. Essaie encore de jouer les héros, hein? Ouais, comme tu voudras. Je vais faire ça à ma manière. Celui-là, je le tue gratos. Ah ah. Toi, t'étais un Ion, toi. C'est ce que je vois quand je te regarde, Cooper. Un gros tas de poils. Injecteur d'arche chargé. Défi de la panne. Tu peux pas échapper à mon noyau. Oh merde. Putain, là... Je dois avouer, je n'ai pas trop de la gueule comme ça. Chauffez-le. Elle est partie. Séance d'allumage du Distorder en phase 2. Coordonnées déroulées. Système Freeport, planète Harmonie. On n'a pas besoin de la longue portée. Oh merde. Ok, on est reparti. Fais tes adieux, Luther. Séquence Distorder en phase 3. Quel type de projection de facture temporelle. C'est que des irascules. Moi, c'est du genre coriace. Hein. On va voir comment tu t'en sors. Début phase 4 imminent. Allez, génération du vortex. Bouge un peu, là, à 97%. Ça va, avec Légion, franchement, on est bon. Hé hey, tu vas pas tenter. Tu vas mourir en héros. Allez. Le reflux d'énergie a franchi un seuil critique. Tout le personnel doit évacuer les lieux immédiatement. Je crois que je vais toucher une grave défaillance à prévoir des unités électromécaniques, dont les titans. Désolé, mais ton heure est venue. Encore heureux qu'elle peut pas trop bouger quand elle fait ça. Je vais pas me laisser emmerder par un pseudo-pilote. Cooper, sortez l'arche de là avant le lancement. Vite. Comment on fait? Séquence d'allumage, Distorder terminé. Déploiement de l'arche. Oh merde. Le refus d'énergie a surchargé mes tempos. Système principal. Réinitialisation des systèmes oculaires. On peut lancer tout ce qu'on avait contre le Distorder. Système oculaire rétabli. La seule option est une projection. Est une alerte. Alerte. Titan ennemi détecté. Oh oh.
C'est ton genre de chance, héros. Je vais pas te tuer. Je pose pas gratos. Mais... tu vas pas me tuer. Non plus. Tiens, t'as mérité ça. Blisk, le titan classe Vanguard est toujours là. Pas mon problème, Marder. Ça aurait dû figurer dans mon contrat. J'ai d'autres gens plein de fric à voir. Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous croyez faire? La seule option est une projection. Est une projection. Projection. Qu'est-ce qui la se passe? La seule option est une projection. Cooper, j'ai besoin de vous. Les systèmes d'autonavigation sont désactivés. Arrivez dans ce système d'injection. Agissons ensemble. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Amplifiez le signal! Mettez Cooper! Nos équipes au sol, ils ne vont jamais attendre! Vous devez détruire le Distorder de l'intérieur! Il n'y a pas d'autre solution! Commandant Briggs, j'ai une solution à proposer. Si j'explose mon noyau de réacteur, je devrais pouvoir déstabiliser l'arche au centre du Distorder. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a moyen de le faire sauter. Je vous transmets des coordonnées de retour. Coordonnées reçues. Hop. Nous vivrons, mais je n'en dirai pas autant pour vous. Faites-moi confiance, j'ai tout calculé. J'espère bien, nous sommes en route. Bonne chance à tous les deux. Briggs, terminé. Moyen qu'on s'en sorte, BT ? Calcul. Protocole 3. Protection du pilote. Oh, qu'est-ce que tu fous ? N'ayez pas peur. BT ! L'atterrissage exploitable plus bas. Et si je dois voler dans ce merdier, je te conseille d'être ponctuel, mon pote. Bougez-vous, pilote. On arrive, on arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Je vous suis, continuez. Oh la vache. Ok, on est bon. Oh mon dieu. Oh, on n'est pas bon. On n'est pas bon. On était... Moi, je me suis dit, on va tout droit. En fait, non, fallait aller sur la droite. Marque les coordonnées sur votre ATH. La zone d'évacuation est en altitude. Il n'y a aucun site d'atterrissage exploitable plus bas. Et si je dois voler dans ce merdier, je te conseille d'être ponctuel, mon pote. Bougez-vous, pilote. Oh. Je vous suis, continuez. Oh, la vache. Là, je sais pas, là. Vous y êtes presque. Allez, allez. Il est presque. Cooper, sautez. Saute où? J'ai un visuel. Ah, saute là. Je vous ai eu. Allez, pilote. Parker, faut nous sortir de là. Accrochez-vous. Putain, on dirait, ça me rappelle un peu Dead Space 3 à la fin, quand tout part en couille en fait, quand la lune elle est en train de devenir un monstre et tout quoi. Pilote wow. Cooper. Oui. Beaucoup de gens vous doivent la vie. À vous et à BT. Bon bah BT s'est sacrifié. Cap sur Harmony, ramenez-nous au bercail. Ça marche. Fou la vache. Campagne difficile, élite.
Corporel en standard. La destruction de Typhon a sauvé Harmony. Pour les miliciens, c'est un QG. Mais pour des millions d'autres personnes, c'est un foyer. Briggs m'a annoncé que je serais incorporé au Maraudeur et qu'on m'affecterait un nouveau titan quand les ingés auront effacé ce qui reste de mon lien avec BT. Je me demande ce que ça fait de recevoir un nouveau titan. Je m'étais habitué à l'ancien. Beau travail sur Typhon. À vous tous. Ici le pilote Jack Cooper. Je déconnecte. Et voilà. Waouh. Fou. 5-6 heures, je crois, la campagne. Faudrait que je regarde. Je l'ai fait en une soirée, en fait. Voilà. 5-6 heures, mais franchement, c'est comme Doom, le Doom Remaster, là. Enfin, le quatrième, le nouveau. La campagne a été super... elle est un peu plus longue, je pense, par contre, que Titanfall 2, mais elle est magnifique, elle est super bien faite. Et là, pareil, là, à la chapeau, là. Y avait des trucs qui m'ont même étonné, passer d'un monde à l'autre, là, d'un temps à un autre. Putain, ça, c'était énorme, c'était énormissime. Combattre pas que des humains, ça aussi, c'était énorme. De devoir combattre des créatures et tout ça, ça c'était vraiment bien. Les décors sont magnifiques, c'est vraiment magnifique. La voix, ça va, ça se passe bien. Il y aura un Titanfall 3, j'espère, parce que là ils sont allés dans le bon sens, hein, putain. La campagne, elle est super. Et le 3, j'espère qu'on pourra le faire à deux, ça sera bien, ça serait beaucoup bien. Mieux, comme Dead Space 3, en fait. Genre avec quelqu'un qui est toujours plus ou moins à côté, mais si on le fait seul, on est seul. Mais dans Dead Space 3, si on veut le faire à deux, ben on peut le faire à deux du début à la fin. Ça, c'est ce qui manque. Il manque de ça. Il manque la coopération dans Titanfall de la campagne. Parce que la campagne est super bien faite. Elle est super bien faite. Ah ouais, ça... Ah, je suis pas déçu. J'étais pas déçu... Du multi déjà, parce que moi j'ai commencé par le multi, mais là je suis pas déçu du solo non plus, hein, putain. Vraiment bien. Ça me rappelle beaucoup le premier Halo, hein, genre avec Cortana et tout ça. PT, c'est Cortana en fait, hein. Et notre perso, c'est une sorte de Spartan, hein. C'est un enfoiré, lui. Putain. Ah non, mais je suis super content de cette campagne. Ça va le coup. Les boss aussi, c'est très bien fait. De combattre à chaque fois des boss et tout ça, c'était très très bien. Ça me rappelle beaucoup, par exemple, Metal Gear Rising, en fait. Genre il y a du gameplay normal, tout ça, on fait la mission et tout, puis après il y a un boss qui arrive et tout ça, c'est vraiment bien fait, c'est très bien fait comme ça, ça marche très bien. Ah, je peux en dire que du bien. Ah putain, ça fait plaisir d'avoir un bon jeu comme ça. J'étais déjà très content, c'est quand qu'il est sorti, donc, l'année dernière ou cette année. Quand j'ai eu Doom, j'étais très content de voir ce qu'ils avaient fait. Celui-là aussi, c'est très très bien fait. Ça fait plaisir de voir des jeux comme ça qui sont bien du début à la fin, en fait. C'est rare, ça devient de plus en plus rare. Enfin, pas de plus en plus rare, mais on va dire qu'on peut les compter sur les doigts de la main, alors que bon, à notre époque, franchement, on est en 2016, hein. Ça va faire 30 ans qu'on fait des jeux vidéo, quand même. Donc bon, ce serait temps de faire tout le temps que des bons jeux, en fait. Ce serait bien de faire ça. Mais bon, c'est pas comme ça, ça se fait pas. Donc, quand il y a des jeux bien, faut le dire, faut vraiment le dire.
donc campagne 5-6 heures, alors que je l'ai faite en élite quand même. Bon après, bon moi c'est vrai que j'avais de l'entraînement du multi, j'ai fait du grade du multijoueur. Donc pour quelqu'un qui connaît pas le jeu, qui connaît pas comment bien la mécanique, tout ça, ça va être beaucoup plus dur. Ça c'est sûr. Mais en élite ça va, c'était bien. C'était bien fait. C'était assez dur, c'était pas trop dur non plus, c'était pas abusé. Je suis très content de la difficulté. Je pense que ça se vaut le coup de la jouer en difficulté la plus élevée. Voilà, je parle sur les crédits parce que bon, on regarde les crédits en même temps, mais... ouais, je peux en dire que du bien. BT était très bien fait aussi. Comment il réagit et tout ça, c'est marrant. Il y avait des trucs assez comiques aussi. Genre les réponses, tout ça, il les prenait littéralement en fait. C'était marrant. Ou genre, on va éviter les raccourcis maintenant. C'est vrai que putain, le raccourci dans la truc de test là, mais c'était un truc de fou, oh la vache. Bon, bah, je suis très très content de cette campagne. Ça c'est bien, ça c'est des bons FPS qui réinventent en fait l'histoire de temps en temps. De temps en temps, on a des innovations, voilà, c'est ça. Les innovations en fait sont de plus en plus rares parce que bon, on a tout fait, hein, on a refait, etc. C'est un peu comme les films, on a tout vu et revu, donc c'est dur de voir des innovations. Mais comme je disais à un moment, dans les FPS, c'est pas très compliqué, il y en a très peu qui ont fait des différences. Halo c'était très bien, après on a eu le type FPS horreur comme Fear qui était très bien, le premier était très bien. Après on a le FPS RPG hein, comme Deus Ex, et là celui-là on a là qui est plus ou moins comme Halo et qui même qui a un moment qui fait peur hein, avec les monstres et tout ça là, franchement c'est l'ambiance, les décors sont magnifiques. Moi je me vois bien avoir des DLC ou des trucs en plus, genre contre l'intelligence, contre l'IA, donc avec des vagues de monstres. Ça franchement, plus de jeux faudrait faire ça. Je sais que Gears of War, depuis le premier, donc jusqu'au 4 maintenant, ils font tout le temps une partie vague de monstres là, de survie là, qui est extrêmement bien faite. Chaque jeu ça a été toujours tout refait, tout ça c'est bien, on peut même construire des tourelles et tout ça, des défenses maintenant. Et franchement, il y a plein de jeux où c'est qu'il manque de ça, ils devraient faire ça, au lieu de faire que du PVP, du multijoueur, Titanfall en plus met un pied dans le joueur contre l'IA, parce que genre on prend des modes de jeu comme attrition, c'est... on a du joueur contre joueur, mais on a aussi du NPC en fait dans le combat. Donc c'est plutôt une armée contre une autre armée, c'est très très bien. Et là franchement, il faudrait faire un truc de vague de monstres, vague de soldats qui font que revenir, ou alors on doit attaquer une base qui est extrêmement bien défendue, comme par exemple la fin là. Et on peut le faire genre à 4, ce serait énorme de voir 4 joueurs en coopération, mais pas que en PVP quoi. Pas contre que des joueurs en fait. Ce serait énorme, ce serait vraiment bien. Ouais, franchement, il n'y a que du bon. Ça, c'est des... Voilà, ceux qui ont travaillé sur Titanfall 1, ils ont vu qu'ils avaient fait de la merde et tout. Ils avaient hypé le jeu. Le jeu a été une déception au final. Même si le 1 est bien, je dis pas que c'est de la merde. Attention, je dis que plus ou moins, ça a été une déception. La campagne était trop courte. Oh oh, qu'est-ce qui se passe ? Ah, il y a peut-être encore BT. La campagne était trop courte.
le multi était bien, mais il manquait des choses, et là ils ont tout bien refait. Donc maintenant on peut sélectionner les missions. Donc voilà, il y a tout ça. Ah tiens, on a loupé un truc là apparemment. Ça c'est quoi? C'est les casques? Niveau élite terminé, objet à collection. Ouais, ouais, c'est les casques ça. Ça va, on a tout fini. BT et Cooper sont capturés par Cuban Blisk. voilà. Je suis très content. Je regrette pas du tout. Ça, c'est rare maintenant. Encore, je me répète un peu. Je suis désolé. Bon, pour ceux qui sont encore là, bon, bah, tant mieux. Merci. Mais bon, il y en a plein qui auront déjà arrêté la vidéo. Mais ça, c'est un achat où c'est que je suis content. Voilà. Je suis content. Très content d'avoir fait cet achat. Et voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. C'était la campagne de Titanfall 2. Énorme. Énormissime. Voilà. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu encore une fois. Merci d'avoir suivi la campagne. Et à la prochaine. Ciao !